Et tac. Alors. Il y a une petite spatule là. Ah, je prends la. Je prends le Séné avec la baguette, vas-y, je suis trop chaud là. Je suis loin de la spatule là. Moi je veux Séné avec la baguette là. Je l'ai. Nick bonus, Nick. Mais alors bonus. Mais alors bonus, on est nul. Mais alors bonus, on a pris la ceinture du Morello mais sans Séné. Mais alors bonus. On a le somme. Aussi se parler d'eux, oui, très bien. Il y a quand même la compo de la mort. À la semaine prochaine. Je voulais la commencer cette semaine, mais j'ai eu des voyages impromptus et impondérables qui m'ont empêché de mettre au goût du jour ce nouveau programme. Mais voilà, semaine prochaine. Il y a pas eu un Noël qui va arriver. Putain, je vais passer mon mois de décembre en Haute-Savoie quoi. Oula, oula. Très bien. Franchement, ouh, ça en fait un paquet de pognon ça. Hein. Ça fait 7 de pognon déjà. Je pense que je vais tout vendre. On va jouer l'écho là. Attends, j'ai pas envie de jouer bois, mais c'est vrai que j'ai quand même les bois du coup là. Pour l'early game. Non, mais j'ai pas envie de jouer Atroxias duo, c'est sûr. Non, c'est sûr. Je vais faire ça pour l'instant, c'est quoi de toute façon. Tu peux pas jouer Azir, mais jamais Azir, moi je maîtrise pas ça moi. Je maîtrise pas ces choses. Le retour de Pistolero en force. Bah, c'est vrai qu'elle a un petit côté Pistolero, Senna quand même. Hein. En plus, j'avoue qu'ils ont remis Lucian aussi. J'avoue. On manquerait plus que le retour de Tristan Lightgrave, c'est parti quoi. Et c'est Tipar quoi. Moi j'aimerais qu'il remette. GP, j'aimais bien. Sur moi, GP, je kiffe. Hein. Faudrait qu'il remette GP avec son ulti ce coup-ci. Ça serait trop marrant en vrai. GP avec son ult. Mais j'ai full tune, c'est quoi cette game quoi. C'est quoi cette game infernale. Ah, faut que j'open fort là, je pense. Hein. Bon, je peux open fort. Est-ce que je peux avoir 20 gold en fait là. Merci beaucoup, Big Fury Dadou. Merci à toi, mec. Merci beaucoup, mon gars. Je peux pas avoir 20 gold sur ce coup là, mais je vais vendre là le blanc. Je peux jouer bois de toute façon. Nique les bois. Okay, je vais mettre comme ça pour l'instant. J'ai pas d'item, mais j'ai plein de thunes. Donc, j'ai une baguette. Donc, baguette peut encore emmener sur un Morello qui m'emmènerait plutôt sur une game ombre-lumière ou plutôt sur une Ginzo. Qui m'emmènerait beaucoup plus sur une game Ranger, surtout que j'ai deux veines qui viennent d'arriver. Arc ou ceinture serait bien. Épée, ok. Arc, l'arme. Ah ouais, ça m'emmène nulle part ça. J'ai pas que son ulti, mais en enfer. J'ai pu en faire avec son ulti. Ah, ça va être sympa ça, je pense. Hein. Ça va être sympa. J'ai pas du tout le stuff pour la veine. Hein. Vraisemblablement. Hein. Bon, je vais rester comme ça pour le moment. J'ai un Shojin sur Senna, c'est moyen hein, parce qu'en général, faire un ulti ça suffit concrètement. Ah, ouais, pourquoi pas Shojin Senna, ouais, c'est moyen, je pense quand même. Hein. Shojin Morello, ouais, je pense pas que ça soit un bon item dessus. Hein. Elle a pas beaucoup de mana, mais nique les bois, nique au bois, nique au bois. Alors, on va dire qu'on est encore assez polyvalent sur cette game, mais c'est vrai que si j'arrive à choper un arc au carousel, ça peut être intéressant. Après, là, je suis parti pour plutôt win ce fight, quoi. J'imagine. Donc, bon. On va voir ce que ça va donner. Hein. GA Spiral sur Senna, tu joues Hamster. Ah, j'ai l'impression que c'est fort, GA sur Senna, ouais. J'ai l'impression que c'est fort. C'est sûr, parce qu'il est dans son coin en plus. C'est vrai que ça a l'air extrêmement fort, GA sur Senna. Ça, je suis bien d'accord. J'ai pas trop envie de level up. Parce que j'ai pas forcément gagné mes deux prochains fights. Mais c'est vrai que ouais, on pourrait partir sur un GA et tout. L'idée c'est que bon, on n'a pas spécialement de signes qui nous emmèneraient vraiment pour ombre pour l'instant. Alors qu'on a une Vayne. Mais bon. Tu me diras la Vayne elle est pas très bien accompagnée à côté quoi. Je vais acheter Nasus. C'est vrai que je peux acheter. Faut se remettre à prendre les Nasus parce que le défenseur a l'air très fort là. Merci Midaleux. Je crois bien que ce sont les 3 ans qui partent. Ah merci beaucoup mec, 36 mois. Ah, c'est beau ça. Merci beaucoup. C'est gentil, go top up, pétez ça. On va top up pour les 3 ans de Médaleux. Incroyable, merci mec. Ok. Je peux acheter le Varus. Vas-y, Nicolas Nasus. On va pas le jouer théoriquement, Nasus. Et quand même acheter le Varus, vas-y. Mais Zira, c'est pas mal si on part plutôt ombre, invocateur, tout ça quoi. Et j'ai Zira. Not bad.
J'ai pas de frontline quoi surtout là. Ça dit c'est mieux que Senna pour l'instant hein, de mettre le rôdeur. C'est beaucoup mieux. Bon, c'est pas une game light, hein. Les light, j'ai pas encore testé si light avec Lucian. Je suis pas convaincu que ce soit fou quoi. Tu peux jouer si light plus avec une spatule au level 8, tu peux jouer si light 3 ombres. Avec Kindred Senna et genre Maître Yi, ça fait 6 lumières, 3 ombres, rôdeur, mystique et âme sœur. Et j'avoue que ça a quand même pas mal de sens quoi. Ça a quand même beaucoup de sens, je dirais. Mais voilà, je suis pas assez chaud psychologiquement pour jouer des games où il faut des spatules quoi. J'ai pas la foi dans ma chatte naturelle là. J'ai pas la foi dans la réussite. Ah, ok, on gagne. Nice. Blademaster, oui, c'est possible Blademaster avec Aatrox et Yi. Bon, j'avoue qu'on s'en branle un peu de ça, mais c'est vrai que c'est, il faut le signaler. Bon, du coup, je suis là, speak. Sans avoir aucune win streak, c'est parfait ça. Ça va avoir les pires moments d'une vie, ça. Alors, le seul arc sur Kindred, donc autant vous dire que j'aurai jamais l'arc. Par contre, Senna a une armure, je pourrais faire GA sur Senna. Et j'aurai une baguette à côté. Bon, j'avoue que je me sens pas ultra favorable pour la choper vu où elle est placée. Ceinture m'intéresse beaucoup aussi. Ok, je trace sur la Senna. Elle est de mon côté. Ouais, je suis chaud. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on joue ombre, quoi. Si je fais ça. Allez, allez, c'est parti. Why not, why not? Tu n'as pas Okio pour le chaos. Il n'y a pas de Okio quand elle a speak animato. Il n'y a pas de Okio. Le Okio n'existe pas sur ce jeu. Concrètement. Est-ce que je cale double level up du coup là? Pour essayer de caler ma meilleure win streak. Je cale un double level up. Le problème c'est que j'ai pas de front lane donc bon. T'as beau faire un double level up sans front lane, tu risques quand même de te faire défoncer mais. Sur les chances d'avoir des spats quand t'es last pick animato, c'est pas ouf. Et dans tous les cas, j'avais pas pris les Nasus avant donc. Parce que j'avais oublié de les prendre là pour le coup. Donc j'avoue que j'étais pas très motivé pour. Bon là, c'est super fort. Ouais, c'est super fort. Ouais. C'est pour ça que cette scène-là a une baguette. Et quand elles vont se ravivocher, on pourra mettre le Morello. Dès qu'on aura Senna level 2. Après, voilà, le GA sur Senna, c'est pas ouf tant qu'il n'y a pas Lucian. Mais dès qu'il y a Lucian, on met Lucian en front lane. Et comme Senna met beaucoup de temps à mourir, c'est extrêmement fort, quoi. Bon, là, le défaut, c'est que bon, j'ai level up. Après, j'ai level up surtout parce que vous voyez, ça me donne la possibilité d'avoir des épiques, quoi. Ça peut me donner un Lucian très early, ça peut être très fort, quoi. Et surtout qu'on a besoin de récupérer. J'aime pas si on veut jouer Kindred of Fantasy parce que ça donne enfer. C'est sûr qu'on veut pas jouer, mais le problème, c'est que si tu prends Passion, t'as vraiment pas beaucoup de front lane, quoi, tant que t'as pas Yorick et Annie. Donc. C'est délicat quoi. Qui okay, on touche rien. Autant vous dire que Veigar on veut pas le jouer quoi. Oui, il y a déjà Kindred 2 dans la game quoi. Ouh, et Senna 2. Ah ouais, d'accord, très bien. Et deux Malzahar. Ah oui, non, il est plus avancé que nous lui. Hein. Il est beaucoup plus avancé que nous. T'as l'interface est tellement mieux qu'avant, c'est incroyable quoi. Elle vend beaucoup plus de rêve cette interface que l'ancienne quoi. Bah, c'est plus agréable et bon, par contre, je pense que. Ils sont en train de ruiner, c'était quoi la donne? C'était Blitz.gg, c'est ça? Ils sont en train de ruiner Blitz.gg. Hein. Pour le coup. C'est le RKMCV. Bah, c'est bien, j'ai gagné un fight sur deux dans la game. C'est très useful hein, de gagner un fight sur deux comme ça en termes d'économie. Hein. Très useful, hein. On a fait victoire défaite. Je suis très content. Et yes, oui, très content. Malzahar. Ok. On va garder ça pour tanker pour l'instant. Tac, on va pas bouger pour le moment. Reste comme ça. Les pourcentages de chances d'avoir les raretés sont in-game maintenant. Ouais, depuis aujourd'hui. Ils sont restés dans le patch du jour. Ce qui est bien en vrai. Ce qui est une bonne chose. C'est vrai, bien renverser les rôles et les levels par contre. Mais je crois pas. J'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait des gens qui cliquaient et qui n'utilisaient pas D et F en fait. J'ai appris ça aujourd'hui. C'est incroyable. Genre, je pensais pas que ça existait. Des gens qui cliquaient pour level up et pour actualiser quoi. Et j'ai appris ça aujourd'hui en fait. Quand des gens m'ont dit, mais tant que t'as vu, ça a été inversé. Parce que j'ai même pas remarqué que ça avait été inversé quoi, tu vois. Et c'est une vraie découverte que j'ai faite aujourd'hui, sociologique. Oh, Morello, la chatte. Oh, et Senna level 2, voilà la méga chatte du coup. Eh bah très bien. Écoutez, j'ai pas à me plaindre. Hein. Peu mocho. Très content.
Ça c'est de la scène à un petit Lucien maintenant, on en parle plus. Hein. Ah, je pense que je vais level up maintenant. Hein. Je suis déjà bien avancé, hein, donc je peux acheter Varus, on peut pas le jouer. Oh, le double Yuri qui fait plaisir là. Oh, ça serait tellement bien d'avoir un petit Lucian là. J'ai su en attendant. Mais comme d'hab, en fait, j'ai pas envie de jouer ce fucking Sion en fait là. Ouais, c'est ça, en fait, il faudrait Lucian à la place de Sion quoi. Sion. Sion est le prophète des Mormons. Sion. La légende dit que NZQ joue au pad. Moi j'ai déjà vu stream, il joue pas au pad, alors je te le dis moi. Alors. Et du coup le Morello hein, qui est grâce à Senna qui est mis sur tout le monde du coup hein. Qu'est-ce que c'est fort quoi. C'est vraiment de l'abus ce champion hein. Et level 2 en plus là. Elle est vraiment le stuff parfait, mais après le GA n'est pas utile donc on n'a pas le Lucian hein. Ça c'est sûr ça. D'ailleurs je pense qu'on va plutôt se concentrer sur le stuff de Lucian dans cette game. Ah peut-être, c'est peut-être la Senna 3 ça par contre hein. La Senna 3. J'ai 88 HP encore. Je pense pas qu'on puisse win streak dans ces conditions cependant. Ça me paraît pas évident le win streak là. Présentement. Avec Kindred 1. Après, je sais pas si je veux Seraphin Kindred quoi. Peut-être. Je pense que juste End of Justice Lucian en fait. Mais bon. Parce que là, lui, il joue Kindred. Il a Malzahar, Senna. Il a, par contre, il a que 30 gold. Et il est level 5. Moi, j'ai 30 gold et je suis level 6. Donc c'est bien. Top stuff sur Lucian selon toi. Je sais pas encore, honnêtement. End of Justice, je sais juste que ça va être une valeur sûre parce que ça fait de l'AP et de l'AD à la fois. J'ai pas de raison. Mais j'avoue que là pour l'instant on sait rien en vrai. C'est dur à dire quoi. C'est vraiment dur à dire. En tout cas ce que je sais c'est que si on arrive à gagner sans avoir à dépenser plus de thunes pour roll, c'est trop bien. Ce qui m'a l'air d'être le cas grâce à la Senna quoi. La fameuse Senna 3. La Senna. Attention tu trouveras pas Senna 3, il y a beaucoup d'absentéisme. Est-ce que vous pensez que quand on passe Senna level 3, il y a Gérard Larcher qui sort? Oh j'ai Yorick 2. Alors, c'était... Bon, voilà Gérard Larcher. Attends mais j'ai Yorick 2 au level 6. Bon je me plaindrai pas de la chatte sur cette game hein. Promis. Lucien absent pour l'instant. Oh putain. Lucien. J'ai dit aller l'OM Lucien. J'ai dit aller l'OM. Lucien joue End of Justice, Genslayer et Gunblade. Gunblade je crois pas que ce soit bien mais par contre Genslayer et End of Justice c'est bien je pense. Du coup je récupère Rollwood. Ouais ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Lucian Bramar. Putain. Oh vous êtes con putain c'est chaud. C'est chaud d'être con comme ça. Ah, Yorick a gagné ses deux meilleurs ultis hein. Je pense que j'ai easy win là. Yep. Ah mais son Yorick 2 ça fait qu'on fait on peut win streak avec beaucoup d'économies en fait Yorick 2. C'est incroyable quoi, ça nous met trop bien. On va top 1, tu vas tanier à la place de Malzahar. Non je vais tanier à la place de Sion. C'est Sion qui doit gicler sa mère dans la game. Je suis archi chaud pour la Annie. Bah, je suis de la speak. Ouais, jamais. Jamais. Mais il m'a manqué Lucien, j'aime bien ce champion. C'est un champion qualitatif, je dirais. Je l'aime bien. Il n'y a pas de quoi faire une End of Justice ici. Je suis pas chaud pour un Seraph, mais. Je vais prendre la baguette juste pour le faire chier. Parce que pas moi, je voulais une baguette apparemment. Mais sans conviction quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi il a une baguette mais. Nick. Il a pris l'armure au final. Après l'eau me faisait. Ouais, l'eau me faisait 40 gold quoi. L'eau. J'ai peut-être dû prendre l'eau au final. Parce que bon, Luden Lucien, je suis pas chaud. Il y a une Senna, ouais, mais j'ai pas gardé la baguette sur Senna toute la game, hein, désolé. C'est une femme formidable, mais elle n'en vaut pas la peine quoi. Même si c'est une femme charmante. Je pourrais presque level up maintenant quoi. J'ai peut-être dû y aller maintenant hein. Bah on va dire qu'on se donne, on se donne encore un fight, on se dit. Après ouais là je commence à être très faible hein. Sardoche en roulip sur Twitter. Comment ça? Comment ça? Pourquoi à chaque fois que Sardoche fait un truc en roulip les gens viennent m'écrire pour me dire qu'il fait un truc en roulip? Il est plus arba vous savez. Mais en tout cas. La Senna fout la paix. Non Senna Luden je pense que c'est pas worse hein. Ah on s'est fait détruire, fait chier. Ah j'avais trop le level 1 quoi. C'était abusé. Enfin moi il déchaîne les passions en tout cas Sardoche. Bon je vends la Senna pour mes 50 gold hein, Nick. Hein. Je peux assumer la win streak bah du coup on voit. Senna 3 c'est rip. Zef. Bah, c'est les gens qui m'en parlent. Moi je subis moi. Je subis. Alors.
Alors. Keeping sur tweet. Bon, tu vas voir sur Twitter. Ça va pas être un sujet qui m'intéresse, donc on en parlera pas. C'est quoi le combo que tu vises? Ombre, lumière, invocateur, grosso modo. En gros. Ok. Okay, Yorick qui a les deux ultis. Ce qui est extrêmement, extrêmement worse. Mais j'ai beaucoup de level 1 du coup et je sais pas si ça suffit. S'il reste encore Kindred et tout là. Ouais. Bref, c'est que j'ai pas Lucian en quoi être mon GA sur Senna, c'est comme si j'avais pas d'item quoi au final. Mais bon. Le Yorick a été juste trop efficace là. On peut pas perdre ce fight, je pense. Grâce au boulot, énorme boulot du Yorick quoi. T'as Senna 4400 de dégâts quoi. Nice. Ok. Bon, j'ai cut la Senna tout à l'heure. Je l'ai racheté hein, parce que je suis pas rancunier. Hein. Et on va roll après ce fight. Mais on est super bien en tout cas. D'ailleurs, les deux qui sont bien, c'est les joueurs de Kindred et Senna. Est-ce qu'il a tué Lucian? Elle a pas tué Lucian. Est-ce qu'il y a des Lucian dans la game en fait? Oh, y a un... oh là, les bonus, c'est un putain d'animal quoi. Après, son Nocturne est encore level 1. Ouais, il est pas bien en vrai. Enfin, sauf s'il touche, mais. Il y a 0 Lucian dans la game. C'est cool ça. Et je suis level 7, 50... je vais avoir 60 gold de level 7. Ok. Ouh, intéressant. J'ai pas envie d'acheter le Sion, on pouvait pas savoir quoi. Ah non mais... Non, j'achète pas, vas-y Nick. Oh putain, non mais ça c'est... Non mais c'est une prise d'otage ça. Bon vas-y Nick. Je me suis senti obligé psychologiquement. Attends, mais j'ai une scène là sur le board. Ok, nice. Et ouais, mais là, pourquoi j'ai 4 invocateurs? Ah oui, c'est Zira qui sert à rien du coup. Ouais, non, j'ai pas tout... En fait, non, j'ai pas Lucian en fait actuellement. Je ferais bien stati... Ah non, je vais faire Rabat. Oh là là, c'est compliqué là. Ouais, elle est compliquée celle-là de game. Hein. Elle est compliquée celle-là de game. Elle est compliquée parce que. J'ai des bons items là. Je sais pas exactement comment les employer quoi. À quelle fin les employer. Après, on pourrait juste rush level 8. Ah, vous avez, ils ont, sur, mon chat a lancé un débat sur Sardoche du coup. Sur ses propos. Et qui me fait un résumé de ce qu'il a dit au moins que je participe? Je crois que mon chat est obnubilé. C'est à cause de Sleepy. Hein. C'est à cause de Sleepy. Ah ouais, c'est fort ça quand même. Hein. J'estime que c'est très fort, mais. Ah, je peux caler mes meilleurs rôles pour trouver Lucian quand même. Hein. Maître Yi, ça m'intéresse pas. Ok, là, elle est venue toute seule. C'est une bonne nouvelle. Hein. Grosso merdo. Ok, je peux stay like this. J'ai quand même pas envie de caler mon meilleur Rabadon sur Lucian, c'est pas républicain du tout ça, si. Oh, j'ai calé mon meilleur Rabadon, vas-y, il le mérite. Quel homme. Oh, statique Lucian. Oh, je sais pas quoi. Oh, vas-y, let's go. Direct. Direct. Alors. Ok. Ah, mais je sais pas s'il proc statique en fait ses auto-attaques. Ça marche pas. Ok, ça marche pas. Bon, bah, c'est bien. Ok, donc si jamais statique Lucian ne marche pas, le chat. Et bah c'est bien. Nickel. Ça combine pas avec son ulti, je veux dire. Donc c'est de la merde. Alors, il dit que la retraite c'est un concept de débile et l'ancien raison. Oh, je suis pas d'accord, j'aime bien la retraite moi. Non, moi je trouve que. Parce que moi je ne me projette pas dans ma retraite. Mais après, le concept de retraite. Formidable. Et en tant que. Ami du général de Gaulle, je me reconnais dans cette retraite gaulliste. 1946, 45 même. Avec le. GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, mesdames, messieurs. Pour relever la France, des traîtres qui l'ont abaissé. Attends, mais qu'est-ce que je veux dans cette game? Parce que j'ai une Hani aussi, j'ai pas vu que j'avais une Hani aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec la Hani? Ok. Bon, Lucien est mort. Ouais, donc ça marche pas du tout, statique Lucien. Hein. Contre toute attente. Ah, ça aurait pu marcher, c'est les. Ouais, ok, non, mais très bien. Bon, bah, c'était vraiment horrible du coup, comme item. Hein. Oh, c'est tellement fort le GA sur Senna, parce que du coup, Lucian a continué à. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Alors, c'est tellement fort.
Ok. Il n'y a pas eu tous ces problèmes si on avait gagné la guerre. Oui, c'est vrai. Ah bah sans les deux guerres mondiales, on n'aurait pas un système social aussi. Mais le système social français naît du traumatisme des deux guerres. Et du fait que les Français ont tellement souffert de la guerre qu'on s'est dit, il faut que les gens vivent mieux maintenant. C'est de là que ça vient. Le système social français voulu par le général de Gaulle. Hein. N'oublions jamais. Hein. Alors, je peux faire un raid. Ah bah non plus maintenant, dommage. Je peux caler mon meilleur Zephyr, j'aime bien Zephyr. Sinon, je peux chercher un arc. Oh, ce serait mon meilleur Zephyr du coup. Hein. Warbox, ça me tente pas là. C'est-à-dire qu'il marche maintenant plus sur l'ulti de H. Si, sur H, ça marche. Sur H. Alors là, sur H, ça marche 100%. C'est même très fort. Sur H, ça marche comme Jaja même. Donc, théoriquement, dans le meilleur des mondes, hein, on veut cut Sion, rentrer Amumu et rentrer Soraka. Mais là, j'ai plein de thunes, donc je vais tempo quoi. Alors. Quand la liberté de politique avec Zemmour et Sardoche en guest. Mais d'accord, mais il faut qu'on équilibre, du coup il faut aussi qu'on invite Jean-Vincent en placer. C'est important. Par contre, c'est Kindred qu'on pourrait virer sinon. Hein. Non, parce que je peux pas jouer Enfer si je vire Kindred en fait. C'est le problème. Mais est-ce qu'on veut jouer Enfer avec MU? C'est bien quand même. Alors. Pourquoi Soraka? Pour Light. Et c'est la meilleure Light Soraka parce qu'elle peut silence et tout, c'est vachement stylé quoi. Ah, meurs pas, Senna. Non, Senna. Ah, Ayrton. Nice. Putain, Ayrton. Ayrton, Ayrton. Oh oui. Oh putain, mais. Oh, c'est tellement fort, putain. Je vais perdre, mais c'est tellement fort quand même. Ok. J'ai tellement plus d'écho. Fait que Kindred pour Yi, t'avais Mystique. Non. Pas forcément intéressant. Y'a personne qui joue, y'a plus personne qui joue AP là dans la méta là. Si tu regardes bien, on croise aucun mec qui fait des dégâts magiques quasiment. Que des mecs qui font des dégâts AD. Ok, on fait ça, tac. Invite Mélenchon. Alors, on essaye d'éviter d'inviter des repris de justice ici. Non, je rigole, je plaisante. Pardon. C'était pas du tout pour trigger des électeurs de Jean-Luc Mélenchon que j'ai dit ça. C'était pas du tout pour ça. Je me serais pas permis. Alors. J'aurais pas osé. Il est bien, Lucien en frontline, il a fait plaisir là. Ah ouais, là, il meurt, mais il continue à faire comme s'il était pas mort quoi. Oh putain, comme Hollande. En fait, c'est comme Hollande. Il est mort, mais il continue de faire croire à tout le monde qu'il est pas mort politiquement. Bah, c'est exactement pareil, Lucien. C'est Hollande en fait. C'est le Hollande de TFT. Ah, c'est fort, hein, j'aime bien. Super quoi. Ah, j'aime bien. Fait plaisir ça. Et voilà, paf. Il est dans une prison de Mélenchon, le camarade. Le camarade Mélenchon est au goulag. Camarade. Est-ce que je... Nico Lucien. Non, je vais garder mon Nico pour Amumu, je pense. T'es content d'avoir 3 IE. Ah, t'es mort en bonus. Merde. Eh bonus, est-ce que c'est le retour en diamant? Ça, je reconnais ça, non? Ça, c'est le retour en diamant bonus, je suis sûr. Pas à moi, bonus, hein, moi je sais. Hein. Moi, je sais que c'est le retour en diamant, moi perso. Ta-ta-da. Pas loin. Tu passes sur Lucian statique, t'es gueux. Bah, j'avoue que mon Lucian statique, il fait pitié, mais le statique sera pas mieux sans d'autres champions, tu vois. Tu vas dire. Hollande, c'est Senna et Lucien. Et Senna, c'est Julie Gaillet. Oh non, arrêtez de vous moquer. C'est pas bien. C'est mal, c'est mal. Ça, je reconnais, c'est End of Justice, ça, non? Ah oui, exactement. Putain, j'ai tellement le coup d'œil quand même, moi. On le dit pas, mais j'ai. J'ai un mec qui voit les choses, quoi. Tac. Tac. Très bien. C'est pas le Lucien 3 ça, m'a plus jamais tank. Hein. Alors, j'ai mis la mienne en front lane. Donc là l'idée c'est qu'on devrait virer. Mais du coup est-ce que. Le problème c'est que si je vire. Non, c'est dommage de virer Kindred parce qu'en fait si je vire Kindred je perds Enfer en fait. Et Enfer c'est devenu assez fort avec le changement du truc quoi. Donc Enfer c'est pas mal finalement contre toute attente. Donc je dirais que grosso merdo modo, il faut virer quand même Sion Sion Sion.
Et garder Kindred pour profiter de Enfer qui sont très forts sur Amumu et Hanné. À mon avis, hein. Et les dégâts du Lucian, c'est trop, hein. Oh. Pourquoi Lucian devant? Parce qu'en fait, Lucian, quand il meurt. Comment dire? Quand Lucian meurt, Lucian revient à la vie. Comme Jésus. Sous forme de fantôme. Ou pas comme Jésus, du coup. Et en fait, tant que Senna est en vie, bah, Lucian continue à DPS comme s'il n'était pas mort. Et il est inciblable. Oh, bah ça je reconnais, c'est le Mumu level 2 ça. Ah, ça j'ai reconnu ça. Sauf que j'ai assez de frontline maintenant. Bon, Helic. Tac, tac. Et donc là, on a la compo Ombre-Lumière, Invocateur, Enfer, Hamster. Et voilà. Et voilà. On a les droits. Et voilà. Incroyable. Une belle game. Quand Lucian est mort, il garde l'effet de ses items. Quand Lucian est mort, oui absolument tout à fait. Il garde tout, c'est comme s'il n'était pas mort en fait. Non non, c'est trop fort, c'est trop trop fort. C'est comme s'il n'était pas mort. Ah, c'est incroyable quoi. C'est comme si Johnny était encore là en gros. C'est la même chose. Avec ses chansons, c'est pareil. Oui, là, il est même pas mort du coup, alors qu'il est en frontline, mais bon, c'est un autre problème ça. Après, je suis particulièrement bien dans la game aussi là, j'avoue. C'est comme si Johnny était pas mort. On est con sur ce stream, putain, c'est quand même incroyable quoi. Attends, c'était lequel qui jouait? C'est lui qui jouait au Kindred. Hein. Ah, mais son Lucian est moins bien stuff que le mien quand même. Je pense qu'on a trouvé la bonne. Bon coup de main là. Stuff Lucian et Senna et nique le reste quoi. C'est bien ça. Pourquoi ils ont pas envoyé ce patch avant la mort de Johnny et Chirac? Mais non, le problème c'est que Johnny et Chirac ils étaient reliés, donc quand Johnny est mort ça a tué Chirac en fait. Ça marche pas du coup. Lucian c'est Johnny. Ouais mais Senna c'est Chirac du coup. Du coup ça marche pas. Alors il me raconte que Senna c'est Laetitia du coup. Donc normalement quand Lucian meurt, vous allez voir. Hop. Et là voilà, là Senna gagne des golds du coup. Voilà c'est bien, c'est bien. C'est fort. Et hop là elle meurt mais elle revient parce que. Contrat de mariage. Hop là. Contrat de mariage américain. Non par contre là c'est chaud quand même. Ah le Lucian continue à DPS mais non. Ça passe pas. Oh, 7-4-4 de dégâts quoi. Et encore on a fait un vieux static shift quoi. Qui était dégueulasse quoi, immonde. Ah j'ai enfer. Ah j'aurais pu prendre enfer. Ah je sais pas. Enfer ça a l'air fort maintenant. Attends. Parce que j'ai pris enfer mais du coup je peux donner enfer à Yorick. C'est pas mal sur Yorick non parce que les petites crottes de... ou sur Malzahar. Peut-être sur Yorick plutôt. Mais du coup je pourrais cut Kindred du coup en fait avec ça. C'est-à-dire que j'aurais rentré Sion en fait. Non faudrait rentrer Maître Yi enfin. Oh, ouais. Excellent! Excellent! Absolument excellent ça en fait. Bon, j'ai Kindred 2 sinon. Ouais, bon, nick. Ah bah non, il y a Maître Yi, dommage. Ok, donc nick Kindred. Comme ça, on rentre mystique en plus. Voilà, nick. Ça, c'était de l'argent bien dépensé, ça, je reconnais ça. Et du coup. Enfer Senna, c'est bien non? Oh ouais, excellent! Attendez, Enfer Senna, c'est la famille non? Enfer Senna. Comme ça, des... Oh ouais, excellent ça. Attends, attends, c'est excellent ça. Eh ben oui. On sait qu'ils sont trop près, Lucian et Senna, c'est pas bon ça par contre. Ils sont éloignés. Ah, je me suis fait défoncer, hein. Ah, le mec qui joue... Par contre, Assassin... Oh putain, mais je kiffe ce champion, quoi. La compo Assassin me détruit depuis tout à l'heure, hein. Peu importe les games qu'on fait, quoi. Donc bon. Ok... Non mais Lucian 3 c'est mort hein. C'est mort. C'est trop trop recherché hein. Donc Lucian Blade Master. Ah ça m'intéresse pas du tout Lucian Blade Master j'avoue. Non là en vrai il manque rien hein. Il manquerait pff, même passer level 9 c'est pas très intéressant. Faut que je fasse un bunker là. Non je pense pas non non. Au contraire faut éloigner Ah s'il reste plus que l'assassin peut-être qu'on fera un bunker ouais. Mais on verra. Là il reste encore des mecs qui sont pas assassins quoi. T'as une Zira 3 qui est perdue dans la compo, on sait pas pourquoi là. Par contre quand Lucian décide de taper à côté, il tape à côté ce bâtard. Hein. Oh Annie a pas pu ulti, fuck. Bon Lucian a détruit Zira. Senna est encore là ou pas? Senna est encore là. Ah non Senna est morte, fuck. Elle avait perdu son GA déjà. Aïe aïe aïe. Ah non, dur dur là. Séraphin. Est-ce qu'on Séraphin à MU pour qu'il ulti plus vite?
Séraphin à Nice sinon. Parce que Séraphin Mumu, bon, c'est très nul parce qu'il réulti jamais, enfin il réulti jamais grâce au Séraphin quoi, je veux dire. Shojin est mieux sur Mumu. Shojin sur Mumu, c'est un très bon item quoi. Bonsoir Keymaster. Séraphin c'est la version de Lucian. Ah, c'est mieux qu'avant. Soraka. Ouais. Après il y a le level 1 quoi. Si j'ai Soraka 2, j'avoue que c'est bien. Hein. C'est vrai que ça va bien sur Soraka 2. Hein. J'avoue. J'avoue que c'est très intelligent même, hein, au final. Ok, non, non, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Pas mal. Stuffitel sur Lucien, j'en ai aucune idée pour l'instant. Mais les trucs qui ressemblent à ça, je dirais. Grosso merdo. Oh, très bien. Ok, non, c'est pas mal, ça me plaît, ça me plaît. Ça a du sens, je vais la mettre en front. Non, comme ça. Après, ce qui est bien avec ça, c'est que. Oh. Ça peut brain des mecs sur le Zephyr quoi. Ouais, sans statique, hein. Statique c'est pas bien par contre. Hein. Genre, c'était une erreur de parcours statique Shiv. Roll. Bon, je vais peut-être level 9, hein, du coup, peut-être. Parce que là, en vrai, roll pour Maître Yi, Senna, je la trouverai jamais quoi. En étant level 8, ça va être très compliqué. Et Maître Yi level 2 change vraiment rien à ma game quoi. Donc je pense que j'essaie de passer level 9 pour ajouter un défenseur pour Amumu quoi. Pour le rendre plus tanky pour les assassins mais. Bon je pense que voilà, de toute façon si, c'est pas roll qui va m'améliorer ma. T'as Amumu a ulti que les trucs de Malzahar quoi, super. C'est pas roll qui va m'améliorer ma game quoi. Grosso modo. Ah, ah y a Lucian, il reste plus que la Senna. Elle a encore le GA, ouais c'est chaud. Hein. Il m'a détruit ce bâtard. Hein. Aïe aïe aïe. C'est quoi sa compo par rapport à la mienne? À chaque fois il me pète lui. Est-ce que sa compo est mieux que la mienne? Hamster, lumière, ombre, invocateur. C'est pareil, mais la Sion, il a pas Kindred. Je pense que Kindred, effectivement, faut le dégager. Probablement. Merde. Bon. Ah merde, je peux pas. Ouais, oh, remarque, c'est worse. Hein. Je peux level up et rajouter une Senna. Bon, franchement, c'est ultra worse. Hein. C'est ultra worse en vrai. Parce que du coup, quand Senna meurt, celle-là, elle reste aussi. Parce que les Hamster, ça. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est worse en fait. Super worse cette histoire en fait. Mega worse. Ok. Bon, le problème c'est que je suis mort là, parce que ça reste un fantôme et je suis à 4 PV donc. C'est que elle est morte, du coup elle revient. Oh, Amumu a fait un ulti de ouf. Oh, Amumu a ulti tout le monde. Ah, Amumu c'est trop fort, Amumu, putain, c'est incroyable. Amumu a ulti toute la team adverse en fait. Par contre, j'ai perdu Hamster là, et il reste le. Oh putain, merde. Oh non, 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 allez, allez, ulti. Oh yes, je survis. Top 2 ou pas? Je crois pas, ils étaient au PV les gars. Oh, top 2, yes. En plus, je viens de le battre. Hein. Ah, il vient de trouver Nocturne 3. Bon. Bon. En tout cas, on est abonné. On a fait 3 top 6, 3 top 2 aujourd'hui, hein, quand même. À Moumou. À Moumou. Non, je préfère double. Je me suis positionné dans un bunker là, plutôt. Et le positionnement est pas mal, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, ouais, ils ont focus le Lucian comme prévu. Moi j'ai soulevé la civière. Elle a même eu ulti. Ouais, mais je pense pas que je puisse battre le Nocturne 3 en fait. Ah, Annie a pas ulti, fuck, salope. Il est où Lucian? Où est Lucian? Pourquoi il n'y a pas le fantôme de Lucian? Oh! Ça se cumule pas, Hamster, je crois. Je pense que Hamster ça se cumule pas. J'ai l'impression que quand l'autre est morte, en fait, le truc de Lucian a disparu. Il restait plus que Senna en fait. Je pense que tu peux avoir que un Hamster en même temps, je pense. Donc, en fait, il n'y a plus Lucian. Ah, c'est ça.